citoyenne engagée à gauche, je suis candidate dans la liste L'Humain d'abord. Toujours investie dans la vie publique, que ce soit au niveau syndical ou associatif, ou même en tant qu'élue dans ma ville, je considère comme prioritaire de remettre les citoyens au cœur des décisions afin de retisser des liens sociaux dans ce pays. Je vis et je travaille dans le Nord-Isère et je connais la difficulté de bon nombre d'entre vous à vivre dignement, à trouver des logements pas chers, pour les jeunes notamment, avoir de l'emploi. Ici, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de formation adaptée. Et je crois que notre programme est le seul qui propose d'inverser ces tendances et ces logiques libérales. Nous pouvons imposer pour la région une politique où notamment à travers du schéma régional de développement durable et de l'égalité des territoires, on pourrait imposer des politiques publiques pour des villes accessibles où il n'y ait plus d'exclusion, avec des logements sociaux, des transports publics adaptés. Et je m'engagerai notamment pour que dans la région, sa nature et son environnement soient contribués aux liens sociaux et soient source d'emplois.